33 de le retour. Donc là je commence gentil, hein, je suis sympa, je me mets en grand écran, mais le principe c'est que derrière je vais enlever ma tête et je vais mettre tout le jeu en grand. Juste un petit mot, voilà. Donc là c'est le petit live sur Metro 2033. Le prochain sera Metro Last Light Redux. Je pense que je vais sacraliser le mardi ou le mercredi en fonction des sorties avec les potes. Je pense que je vais, voilà, je vais sacraliser au moins ce jour-là et essayer de faire un ordre assez régulier pour proposer une expérience assez cool. Je remarque que le bouquin qui est devant la télé dans le menu du jeu, c'est Metro 2034. Alors, juste deux secondes. Voilà. Et là, on reprend. Ah, c'est vrai que putain, on entend rien. Allez, je vais être sympa, je vais couper le ventilo. Écoute-moi bien. Les bandits dirigent cette station. Il faut qu'on se déplace sans faire de bruit pour jeter un œil. Si on ne voit pas mes amis, on se barre d'ici. Ok. Alors, je rappelle que on est en voix française, mais c'est parce que les voix russes ne permettent pas de profiter de toute l'ambiance du jeu. Je me souviens de cette grille. On a qu'à... Si finir une phrase, hein, ça aide. Le premier dedans, ça. Attends, attends, qui va là? Hé, hey, éclaire-moi un peu. Oh, mais regarde qui c'est. Bourbon l'ivrogne. Et regarde qui parle. Conduis-moi à ton chef. J'ai des choses à voir avec lui. Mon chef? Non! Mais bien sûr! Alors, allons voir le chef! Où tu voudrais aller d'autre, toi, hein? Ok, ça suffit! Sinon, on va devoir le traîner! On se maille! On finira ça plus tard! On se maille! Une nouvelle arme. On va voir s'il a oublié quelque chose. Je vois pas ses affaires. Ouais. Y'a que des rats ici. Ok, alors on y va. Deux secondes. Je pense qu'il y a plus un du masque.
Attends, par contre, juste récupérer les balles. Tout droit sur une patrouille de Rangers dans les tunnels les plus éloignés. Des Rangers ? C'est une blague ou quoi ? Non, ils pensent qu'ils étaient là pour une désinfection ou un truc comme ça. C'est tout pour ce droit d'enjeu. Bon, plus que mais, la chance. On dirait qu'il y a... Ils sont tous presque de mètres, ils marchent pas, ils sont armés jusqu'au dents. Spad s'est caché sous un tas d'air. Ce crétin va regretter d'avoir ruiné. Ok, il y a un truc bizarre. Patrons veulent vraiment un bon. Quoi ? Ça s'est verrouillé. Vous êtes full discret, mais pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On cherche, gros malin.
sortira pas. Bon, je vais bien aller vérifier. Et dans ce coin. Monsieur, calmez-vous. Les mecs de l'autre côté. C'est la traduction française, les insultes les plus nazes du monde. What? Qu'est-ce que j'ai fait? Ah mais c'est un bong! Putain, le mec il était en train de se shooter! Ah putain! Ah du coup j'ai dû germer ou un truc comme ça vu le bruit. J'ai fait le tour des caisses. Qu'est-ce que t'as amené avec toi? Réponds, tu es ou je te mets une balle à la tête. C'est le Vorn ? Oui, parfait. Artyom ! Ah, elle est géniale l'ambiance de ce jeu. Copain ! Copain est mort ! Copain ! Oh, copain ! Ah ! Tu peux baisser ton arme, jeune homme. Wow, 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 ça te quitte, jeune homme. Une fin triste, mais prévisible pour quelqu'un de son espèce. Je m'appelle Khan. Eh bien, je suggère de quitter cet endroit sur le champ. Les compagnons de ces bandits ne tarderont pas à rappliquer, et je préfère éviter un autre bain de sang. Je rentre à la station maudite. L'humidité ici réveille mes rhumatismes. Si tu veux connaître le même sort que ton ami, ne te gêne pas. Reste ici. Sans façon. Je crois que je vais te suivre, hein. Oh, il avait un petit ours en peluche. Ah ouais, par contre, oh putain. Ah, il y avait de la cale. Et je peux pas récupérer le couteau, non? Non?
Et l'ourson, je peux le récupérer? Meurs, ourson, meurs! Sage décision. T'es vachement patient, je te remercie. Non, c'est pas le début du jeu. On a. Je sais pas quel chapitre on est, j'ai pas regardé le chapitrage. Je dirais chapitre 4. La dernière fois, on y avait joué quoi? De. Une heure ou deux? Mais non, mais t'inquiète, on n'est pas trop loin. Celui qui a décidé qu'il y aurait. Putain, c'est vrai que par contre, l'ambiance, j'adore. Vieux jeu. Personne ne vient jamais ici. Ni les hommes, ni les monstres. Il n'y a même pas de rats. On pourrait avoir droit à quelques alus. Approche-toi des tuyaux et écoute. Ne reste pas trop longtemps. Certains disent que c'est la voie des tunnels. D'autres croient que c'est une sorte de force psychique. Ok. Il y a des bébés dans les tuyaux. C'est inquiétant. Ce tunnel. Et lui me connaît aussi. Ouais, finalement, peut-être que les bandits, c'était pas si mal, en fait, hein. Non, vraiment? Fais attention, ici, c'est un tunnel dangereux. Alors, pourquoi qu'on y va? Garde bien ta lumière allumée, mon ami. On risque de rester coincé ici pour toujours. Arrête-toi, et regarde devant. Il faut continuer. Ne touche pas les silhouettes. Ok. Là-bas, mais je peux pas passer. Putain, déjà, j'ai pas beaucoup de. Ah, mais non, je suis con, putain. Non. Ouais, je sais, mais je sais plus comment on sort. Je sais qu'il me semble qu'il y avait un truc. Voilà. Mais, non mais. Non. What? Ah, il n'y a pas de freinage différent? Cool. Je voyais déjà le gars se faire tuer par les flammes et ça y est, échec du jeu. Pousse-toi sur le côté, Artyom. Non mais tout va bien, hein. Tout va bien.
Ils ont l'air très gentils, ces gens. Une bataille a éclaté ici il y a longtemps. Les défenseurs tiennent encore leur station. Suis-moi et reste près de moi. Vas-y, hein, je te suis, y a pas de problème. Castanella bio asterium manto. Castanella bio asterium manto. Alum rum hum. Alum rum hum. Castanella bio asterium manto. Castanella bio asterium. Alum rum hum. Donc les décors, c'est des fantômes. Je préférerais garder ça secret. C'est personnel, mon ami. J'étais avec eux lorsqu'ils sont morts. Je suis le seul survivant. Il s'avère que la dévastation que nous avons provoquée a été complète. Le paradis, l'enfer et le purgatoire ont aussi été atomisés. Donc, quand une âme quitte un corps, elle n'a nulle part où aller. Elle doit rester ici, dans le métro. Une forme d'expiation de nos péchés cruels, mais pas imméritée. Tu ne crois pas? Je crois que t'es complètement fou. Mais que ce monde est encore plus fou. J'ai les mouches qui s'accrochent sur mon viseur. Oui, bah je comprends qu'elle est abandonnée. Oh merde. Elle m'a l'air un peu radioactive cette station. Sur quoi? Vous en sur quoi? Bon sang, ce malheureux vient de la station maudite. Les choses vont mal là-bas. C'est-à-dire que bon, quand ton habitation même s'appelle la station maudite, je suis pas sûr que ce soit bon signe de base. Allons-y. Et du coup, attends ça. Concentre-toi. Tu as un sixième sens, apparemment. Ah bon? C'est un talent rare, tu devrais l'utiliser. Ne bouge pas. Le monsieur me dit de pas bouger, je bouge pas. Le gars il connaissait les fantômes. Ne bouge pas. Ok.
appelle ça une anomalie. Un phénomène nouveau dans un monde nouveau. Phénomène étrange, n'est-ce pas? Mais tu sais, ce n'est pas plus traître que le feu, dirons-nous. Tout dépend de ton point de vue. Essaie de mieux comprendre les événements avant de te forger une opinion. Il faut partir, on est plus en sécurité ici. Fais attention. Oui, j'ai une vague qui dit que c'est relativement dangereux par ici. Dire le pompe, c'est la vie. C'est bon. Ne bouge pas. Pas besoin d'intervenir. C'est pas un jeu d'horreur, mais alors l'ambiance elle est complètement folle. Hein. Monte dans la drésine. Le tunnel devrait être sûr. On devrait pouvoir passer facilement. Que je peux pas. On est d'accord qu'il y a un problème de son. T'entends rien là. Blaster.
station se fait encore attaquer. On y va, petit. Les défenseurs ont sûrement besoin d'aide. Cal, par ici. Ouais, et c'est... Et je peux rien faire, hein. C'est le son chuté comme ça. Encore une attaque? Ouais. Ils ont percé les défenses extérieures. Tous les survivants sont ici. Bizarre. Je doute qu'on puisse voir les gens se lever. D'où viennent les monstres? Comme d'habitude, du tunnel à gauche. Et du carrefour. On a envoyé une équipe de démolition, mais les hommes sont jamais revenus. Y a plus personne pour y aller. Artyom, tu veux vraiment sauver ta station de son destin, non? Ici, cette station fait déjà face à son destin. Ah oui, c'est... Il faut lui venir en aide. Retrouve les restes de l'équipe de démolition. Ils avaient une bombe avec eux. Traverse le tunnel de gauche le plus vite possible et cours, l'explosion sera massive. Quant au carrefour, on l'a déjà enterré une fois, mais on dirait que les Nosalis ont creusé à travers les décombres. Il y avait un sas pas loin, il doit être ouvert. Essaie de le verrouiller ou de le démolir. Je resterai ici avec les survivants. Essaie d'attirer les monstres vers nous, ils sont trop nombreux. Alors, par contre, vous retrouvez... Wow, wow, wow. Les gars, tirez, tirez, tirez! Je te penserai pas une seule de mes munitions. C'est que c'est ma thune aussi, merde! Truc à démolir, mais j'ai pas les explosifs. Allez, tant pis, on court. Putain, mais je sais pas où ils sont les explosifs. Ok, c'est pas là. Est-ce qu'il y a un indicateur de quête? Ah, ça! Ok, faut que j'appuie sur ça avec ça. Putain, mais t'es chiant toi, casse-toi! Je te dis!
putain! Ok, c'est tes objectifs. Putain, j'ai rien. Ouais, si t'as plus de munitions que moi. De quoi c'est faible? De plutôt les amener vers moi, vers eux là. Putain, mais ils ont besoin de combien de chargeurs pour mourir, ces trucs de cul? Putain, c'est pour ça aussi, les mecs ils ont 30 munitions juste pour mourir. Alors je peux me faire chier. Eux ils ont des balles infinies, pas moi. Alors. Ok, c'est là où il faut aller dans le tunnel à gauche. Ok, c'est parti. À courir vite. Ouf. Attends, quoi, on court vite, hein. Une grande victoire pour une petite station. Je ne t'accompagnerai pas plus loin. On a besoin de moi ici. Les tunnels se sont effondrés. Si tu veux aller à police, tu devras faire un détour. Non, tu les tunnels se sont effondrés sans déconner, grâce à qui? D'ici. Et ensuite, tu devras traverser les stations des Rouges et des Fachos. Fachos! On y va. J'accompagne ou j'accompagne pas? Arsenal est une station indépendante. Tu ne devrais pas y rencontrer de problème. Mais avec les Rouges, c'est une autre histoire. Ils construisent une nouvelle société avec tous les bonus sympas d'un état policier. Par exemple, la délation de ses voisins. Quand tu seras à Arsenal, cherche une de mes connaissances, Andrei le forgeron. Dis-lui que tu viens de ma part, il t'aidera. Un autre.
mortel pour l'espoir. Même par les temps qui courent, impossible de se défaire des choses qui font de nous des humains. Mais j'avais pas fait tout éteindre! Oh! N'oublie pas que tout dépend de toi et de toi seul. J'espère qu'on se reverra. Au revoir, Artyom. Alors, un peu bon, on fait les munitions, merde! Je crois que la voix ne correspondait même pas au texte, mais c'était tellement faible que je suis incapable de le lire. Non mais ça va, des crânes, t'en as vu 56 000, c'est pas un de plus. Qui va là? Bouge-toi! Hé, tu calmes, t'es un humain! Dépêche-toi d'éteindre ta lumière! Bon, tu sembles mort! C'est tout ce qui compte! Passe, c'est une station libre! Calme, j'espère. Attention, T. Notre station libre est sous la surveillance étroite des rouges. La paranoïa est le nouveau jeu à la mode en ville. Alors fais profil bas, tu m'as compris. Ok, je peux te remercier les gens là-haut ou pas? C'est juste un conseil d'ami. Non, je ne peux pas. Allez, soyez sympa. C'est pas mon truc. Arrête tes conneries. Prépare-toi pour l'inspection. Bah, je suis toujours prêt. Docteur, vous pourriez vérifier ma prostate? Attention, les gardes ne sont pas loin. Je pisse bizarrement, c'est phosphorescent. Sûrement les radiations. Ta gueule! Et toi, t'es qui? Le petit copain du comique? Les mains en l'air! Vous êtes en état d'arrestation! Mais j'ai rien fait! Très bien! Très bien! Laisse tomber! Je vous suis sans faire d'histoire! On bouge plus! Je vais le tuer! Allez! Attrapez-les! Allez, suis-moi! Attendez! Ah ouais, c'était Gunball! Baisse-toi.
Bouge plus, bâtard! S'il existait encore un dieu dans ce monde, ce jour-là, il était avec moi. J'avais été sauvé par l'ami de Khan, Andrei le forgeron. Il allait être mon ticket de sortie de la station communiste. Mais le seul moyen, c'est de traverser un champ de bataille. La ligne de front entre le Reich et les Rouges. T'auras besoin d'un déguisement. Prends ces bleus de travail et mets-les par-dessus tes vêtements. Les Rouges rassemblent des volontaires pour attaquer les fortifications des fachos. Ils sont sur le point d'envoyer un train plein de nouvelles recrues au combat. Tu monteras à bord sans qu'ils le sachent. Ce sera pas un voyage en première classe, mais tu paieras pas au prix de ton sang non plus. Une fois que le train aura passé le barrage, tu devras te débrouiller tout seul. J'ai changé de lunettes, on ne peut pas me reconnaître. Tu regretteras pas ton achat. Prends-le. Il m'en reste qu'un. Et pour oh. Toi, fais-toi plaisir. Après, ça c'était plus sympa dans le sens où bon. C'est un bon flingue. Tu regretteras pas ton achat. Prends-le. Il m'en reste qu'un. Bâtard. C'est un bon flingue. Tu regretteras pas ton achat. Et pour toi. Achète. Et fais-toi plaisir. Marché conclu. Quatre canons. Oh ah, oui, oh. Allez, et là le fusil à pompe on ne bougera pas. Et personnaliser ça alors. Ça pourrait être utile. Ouais mais je vais pas infliger. Ça, j'en ai assez. C'est réservé. Y a pas de quoi. Voilà, ça fait le plein. Ça va, les gars. Il est avec nous.
Allez, saute dans ce trou, Artyom. Mais je veux sortir! Ah non, d'accord, ok. Scénario. Artyom, t'as vu le compartiment à bagages? Glisse-toi dedans. Putain, c'est gentil, ils m'ont même filé un bouquin fait en scénario pour passer le temps. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On y va, hein? Trop bien! Si je m'ennuie, j'ai le bouquin pour savoir la suite. Quoi? Mais comment ça? Comment ça j'ai perdu un bras? Mais c'est cette histoire? Pas du tout. Hé, Andrei, il risque rien là-dedans? Il faudrait pas qu'il tombe sur les rails. Bon, c'est pas du transport de luxe. De toute façon, s'il reste, il est mort. Pour lui. Ce sera un aller simple à l'Oubianka s'il se fait prendre. Ok, prends ça. Tout va bien. À toi de jouer. Bonne chance. Engagé dans l'armée. Je suis mes convictions politiques. Moi, je suis là parce que je veux pas crever de faim. Et toi? Moi? Vous connaissez la chanson? Mon père faisait partie de l'armée rouge et son père aussi. C'est une tradition dans la famille. Alors dis-moi, Aleph, perdre arme et bras au combat, c'est aussi une autre de tes traditions? Ils étaient heureux de faire ces sacrifices. Bien sûr. Les ivrognes et les fous sont heureux aussi. Il y a une pilule noire dans mon sac de munitions. Qu'est-ce que c'est? Un antibiotique? Non, du cyanure, au cas où tu te fasses coincer par l'ennemi. Quoi? Mais le suicide est un péché. J'irai tout droit en enfer. Écoute-moi, l'enfant de cœur. Un prisonnier des fachos va en enfer dans tous les cas. Crois-moi, la pilule ne fait qu'accélérer les choses. Je pourrais jamais m'ôter la vie. Alors donne-moi ta pilule. Je préfère en avaler deux que de pourrir dans un de leurs stalags. Alors, du coup, je sais pas. Il y a des nazis, mais est-ce que c'est des nazis parce que c'est un conflit autre et c'est toujours les nazis du Troisième Reich, ou c'est des néo-nazis? Ça, j'avoue que j'ai un doute. Je me souviens plus trop. Après, c'est vu de ce qu'il vient de dire, techniquement, c'est après, donc peut-être des néo-nazis. Bah, je suis pas dans la merde.
What? Oui, c'est trop bien. Le futur de la station de Lénine et de l'humanité est à présent entre nos mains. Chantez avec moi. Debout les damnés de la terre. Debout les... Est-ce qu'on va nous payer au moins? Même Marx n'a pas pu vivre que de ses idées. Arrête de te plaindre. Les munitions sont de l'argent. Non mais tuez-vous, mais tuez pas moi. Bon bah voilà. Bon ça c'est mon arme anti-monstre. Hein. Le futur de la station de Lénine et de l'humanité est à présent entre vos mains. Chantez avec moi. Debout les damnés de la terre. Debout les... Est-ce qu'on va nous payer au moins? Même Marx n'a pas pu vivre que de ses idées. Arrête de te plaindre. Les munitions sont de l'argent et on fera en avance un chargeur plein pour chaque homme. Mais comme tout soldat qui se respecte, tu es censé les utiliser pour tuer l'ennemi. C'est vrai, camarade commissaire. Le parti enseigne que seule la doctrine communiste est capable de montrer le bon chemin à travers les tunnels. Seul le nom de Lénine nous permettra de restaurer la gloire de notre métro et de l'humanité. Seul l'étendard de la ligne rouge peut rassembler les exclus, les miséreux, les malheureux et les poussiers à se relever et à reprendre la marche. Le marxisme est la lumière légendaire au bout du tunnel. Et alors, ouais, non. Voilà, j'ai gentiment les laissé passer. Ok, alors soit c'est les développeurs qui font ça pour les gars vraiment nuls, soit il y a quelqu'un qui est déjà passé par là. Thank you.
de réfléchir à ce qu'est le mieux entre monter ou pas. Mais je crois pas que je puisse sauter aussi loin, moi. Ils sont pas 36 000 solutions. Évidemment, évidemment. Ouais, mais c'était sur Elden Ring, hein. On n'est pas dessus là. J'ai le droit de les tuer, c'est des nazis. Donc, j'ai le droit. C'est une espèce de loi dans le jeu vidéo. Tuer des gens, c'est pas bien. Mais quand c'est des nazis, ça va.
oui, je crevais, oui, je crevais, parce qu'évidemment, la mitrailleuse, elle n'est pas bien orientée. Des mutants amphibies ? Couverture. Très pratique cette lunette. Allez, descends, toi, descends! Crétin pourrait descendre l'escalier quand il y a un sniper de l'autre côté. Bon, ça y est, il n'y a plus de nazis. On peut y aller. Bonsoir.
Coucou. Ok, bienvenue chez les fachos. Accueil chaleureux. Ouais, vous m'accueillez au lance-flamme, tu vas voir, c'est chaleureux. Ok, si vous y croyez, levez la main. Pas forcément le tuer. Petit pattern et allez, demi-tour. Tu vas pas te retourner. Qui est là? Merde. Ils sont des herbes. Merde. Tout va bien. Un peu gratuit, petite insulte là. Et là, on peut voir ses pieds. Il faut les voir bien comme il faut. Alors, tu bouges ou tu bouges pas? Merde.
chier du monde ici. C'est pas très gentil. Ne torture et n'exécute pas. Ouais. On va buter cet espion rouge et en finir avec lui. On devrait pas appeler la Gestapo. Ça leur prendra une éternité d'arriver jusqu'ici. Qui va surveiller ce port en attendant? Bien vu. Très bien, bâtard de rouge. Dédie ta dernière prière à Marx, ou à qui tu veux. Si tu nous supplies, réfléchira peut-être à la possibilité d'abréger tes souffrances. Magnifique. Ce que j'aime chez les méchants, c'est qu'ils discutent toujours beaucoup trop avant de se décider à appuyer sur la gâchette. Elle est bonne, celle-là. T'as rien à rouge? Et bon sang, t'es qui? C'est la plaque de Hunter. Je ferais mieux de l'emmener voir Melnick. Quel que soit ton message, garde-le pour lui. Ouais. Va bien. Allons vers la voiture blindée. Donc... Pavel, tu le conduis dans la voiture blindée jusqu'à notre draisine. On est quand même suffisamment avancé pour ça. Il restera que la brèche et la station noire. Et la mission, alors ? Melnick te filera une médaille si tu lui donnes des nouvelles de Hunter. Je m'occuperai de la mission. On se retrouve à la station noire. Fais gaffe là-bas. Tu devrais neutraliser la toile. On te repérera moins facilement. J'espère que tu sais te servir d'une mitraillette, petit. Tu veux dire que je vais être là-haut ? Bonne chance à vous. Ouh, ça va être fun, ça. On essaiera de passer les barrages sans se faire remarquer. Si tu gardes ton calme, fermons peut-être les yeux sur le fait qu'on est l'équipe de remplacement. Si ça merde, fais ce que je te dis.
Ah, ce serait magnifique, klaxon. Ah, le Coral Mute, qu'il est amusant avec son klaxon. Ce véhicule n'est pas inscrit sur la feuille de transport. On nous a demandé de nous rendre au barrage, plus haut, Air Officier, c'est pour livrer les munitions. Ils ont déjà reçu la cargaison de munitions. Qui êtes-vous? Remontez vos visières. Arrêtez! Alerte! À vos véhicules! Mission illimitée, les enfants! Ah, par contre, j'ai essayé le truc de la surchauffe. Ça fait chier! Oh! Oh mon Dieu! C'est un Panzer! Putain, mais descends, pression de merde! Mais meurs, mais non, mais sans déconner!
merde! Ouais, je suis pas trop rassuré d'aller par là, moi. Ça pue la radioactivité partout. Ça. Ah, mais en plus c'était le bon chemin. Nous attendre à la station noire. Attention, baisse-toi. Bon sang. Ils avaient besoin de construire toute cette merde. Fais attention, sinon tu vas te faire assommer. Soit tu baisses, soit tu tires. Ouais, cet endroit file la chair de poule. Fais bien attention dans ces tunnels. Si t'es distrait une seule seconde, t'es mort. On a déjà eu un accident. On l'a retrouvé avec les bottes du type sur la draisine. Bientôt arrivé à la station. Elle devrait être déserte, mais tiens-toi prêt au cas où. De la lumière. Je dois y avoir quelqu'un. Abat-le, Artyom ! Fermez les portes. C'est un début. On doit sortir d'ici, vite ! Qu'il n'y avait pas de résine. Sinon, on serait fait avoir comme des rats. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Comment que ça pue?
dépôt. J'en ai tellement entendu parler. Alors ça ressemble à ça. C'est rempli de monstres. Dénosalis, tue-les, sinon on est cuit. Ok, je suis tout seul. Dans un métro qui est probablement hanté. Tout va bien! Le pompe, ça serait une très bonne idée ici. Par contre, les chapitres sont vachement courts, hein.
des hommes dans ces tunnels. Appelle le capitaine. On est dans une sacrée merde ici. Et maintenant, toi aussi. On pourra peut-être revenir à bout. J'ai aucune idée de ce que tu fabriques ici, mais un tireur en plus, c'est moins pour moi. L'accès à la station est fermé jusqu'à évacuation complète. Prépare-toi à battre et prends toutes les munitions qui restent dans la réserve. T'es avec nous maintenant. Notre escouade s'appelle les Enfants du Souterrain. Mes amis, il faut encore retenir l'ennemi pendant quelques minutes. Je vous mentirai pas, le combat sera rude. Mais pensez à ceux que vous aimez et qui sont restés dans la station. Ne montrons aucune pitié aux monstres qui passeront nos lignes. Alors faites-le plein de munitions et montrez à ces créatures comment les vrais armes se battent. T'as pas l'air motivé, toi. Vous me sentez ? Ils sont la plus lumière ! Gardez votre calme. Pas dire le pompe, c'est la vie, hein. Thank you.
mutants sont arrivés à passer. Il faut prévenir police. Mais je peux pas continuer de combattre, comme tu le vois. J'ai une mission capitale à te confier. Va dans la tour de la radio. Contacte police. Et diffuse le message d'urgence que j'ai préparé. Bonne chance, mon frère. Ça sort d'où ça? En bas, c'était seul au prix ce truc. Il est mort, c'est ça? Comment je vais rentrer chez moi? Tu m'emmènerais avec toi? Je te connais pas. Mais si je te suis pas, je pense que je me ferai manger par les monstres. C'est une probabilité, oui. T'as une arme? Très bien. Je vais peut-être venir avec toi, alors. Tu peux tuer les monstres, hein?
Oui, je peux tuer les petits monstres aussi. Je m'appelle Sacha. T'as qu'à tirer, et moi je surveillerai tes arrières. Je suis triste de laisser mon oncle ici. Je rendais visite à mon oncle. Il allait me raccompagner chez moi quand les monstres sont arrivés. Ils ont sauté sur lui. Il a commencé à tirer, et un gros Nosalis l'a mordu au cou. Mais mon oncle est vraiment fort, et il l'a tué avec un couteau. T'as pas l'air aussi fort que mon oncle. Je vais devoir t'aider si on veut pas se faire dévorer tous les deux. Ouh, j'ai pas aimé ça. Là-bas! D'accord, les mecs, ils foutaient des bombes comme ça. Vraiment fort. Et il l'a tué avec un couteau. T'as pas l'air aussi fort que mon oncle. Oh, tu sors de là. On va se faire dévorer tous les deux. Là-bas. J'ai pas le droit d'y toucher, mais il y a des munitions dans ce casier. Celui-là. J'ai une arme, moi aussi. Elle est dans un endroit sûr, et j'ai pas le droit d'y toucher avant que je sois assez grand pour tirer. Mais tu pourras l'emprunter quand ton arme servira plus. De me prévenir 30 ans plus tard, hein. Les gens devraient pas lancer des grenades ici. Maman dit que le plafond est fragile et il pourrait s'effondrer. Là-bas! Là-bas, c'est au niveau de mes pieds. Là-bas. Il y en a combien ? Encore un, là-bas.
c'était quoi? Dire un câble. On quitte la station? Cool. J'ai encore jamais été dans les tunnels. Maman m'a dit que c'est un endroit dangereux où les enfants disparaissent. Est-ce que c'est mal si je le laisse ici? Dans les tunnels, les mutants les attrapent et mangent leur cerveau. Et puis ces enfants deviennent des mutants et courent après les autres enfants. C'est vrai? Non. Waouh! C'est quoi ce truc là-haut? Attends, une fois mon oncle m'a montré une photo. C'est... le ciel? Le ciel? C'est bien ça? On dirait un plafond qui est peint. Je vais être célèbre! J'ai vu le ciel! Tu crois qu'on peut grimper jusqu'au ciel? Ciel, je sais pas. Attends, j'ai pas envie d'aller si haut. Me lâche pas! On serait tous perdus. Mais ce monsieur m'a emmené avec lui, sur ses épaules. Merci. Je l'ai aidé à tuer les monstres. Tu m'as rien dit du tout, oui. Maman, j'ai vu le ciel. Oh mon Dieu. Pauvre Serioja. Merci d'avoir sauvé mon fils. Je pourrais jamais assez vous remercier. Mais prenez ces cartouches. C'est toujours mieux que rien. Voilà. On est bon, on est généreux. Et de toute façon, j'ai suffisamment de cartouches comme ça. Parfait. Allons-y. Bon, je pense qu'au prochain temps de chargement, on s'arrêtera. De tout le métro. Impossible de trouver mieux. Des maîtres forgerons. Après, ça pourrait être pratique d'avoir un silencieux. Dans l'idée d'affronter des humains. Au pire, je le retire. Hein. Voilà. Passez. Thank you.
Allez. On va s'arrêter là pour ce soir. Alors, c'était franchement très sympa. Du coup, faudrait pas oublier qu'au retour, on se retrouve à l'extérieur pour finaliser. Et puis, bah, du coup, donc, je sacralise, hein, désormais les sagas. Ça aura lieu le mardi ou le mercredi, l'un des deux jours. Je préviendrai toujours sur Twitter quel jour sera sélectionné. Mais globalement, ce sera un de ces deux-là. Généralement, je pense plus le mardi. Voilà. Et bien sur ce, c'était Darim. Et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!